Cet homme, c'est Kazumura, dit Kazuyoshi Mura exactement, dit King Kazu, comme il est surnommé dans son pays natal, le Japon. Avec ses 55 ans, est le plus vieux joueur en activité du monde. Il fêtera ses 56 ans le 26 février prochain. C'est une nouvelle recrue pour un club portugais. Effectivement, il vient renforcer le club d'Olivenense, qui joue dans la Liga 2 portugaise. C'est un joueur qui vient de Yokohama FC, dont le propriétaire est le groupe japonais Onodera, qui détient aussi la moitié du capital, un peu plus de la moitié du capital, du club d'Olivenense. On dit de lui qu'il a inspiré le personnage Tsubasa Ozora, du célèbre manga Captain Tsubasa. Pour ceux à qui ça parle moins, si je vous dis Olivier Hatton, Thomas Price, Olivier Tom, ça vous parle plus? Il est vraiment très fort. Une vraie référence de mon enfance, en tout cas pour ceux de ma génération, on ne pouvait pas passer à côté. Olivier Tom, eh oui, Olivier Tom fut l'attribution patronymique de Captain Tsubasa pour la France. C'était déjà l'assimilation à la française tant désirée par un certain Éric Que Zemmour. je m'appelle comment? Corinne, ça vous Corinne. irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Et à l'époque, on faisait pas de chichi, hein. Revenons à notre cher et tendre Kazumura. Vous vous rendez compte? 55 ans pour un joueur de foot professionnel. C'est extrêmement vieux. Un âge où t'es censé plus passer du temps sur un terrain de pétanque que sur un terrain de foot. La plupart des joueurs professionnels arrivés à 35 ans, 40 ans, on arrête, on stoppe. On pense à sa retraite. C'est la fin de carrière. Quand tu sais que la longueur d'un terrain de foot, c'est environ 100 mètres, courir après un ballon à 55 ans, eh ben j'ai envie de dire chapeau. Quand tu sais que le pays du soleil levant est le pays qui comptabilise le plus de centenaires au monde, avec, en 2022, plus de 90 000 personnes recensées d'au moins 100 ans. Extraordinaire! C'est dire qu'avec ses prochainement 56 ans, notre King Kazu japonais est encore un très jeune homme. Souhaitons-lui la bienvenue au Portugal, et on ne va pas lui souhaiter une longue carrière, parce que ça c'est déjà fait, on est d'accord, mais souhaitons-lui une longue vie. Qu'il arrive au moins à ses 100 ans, pour pas faire chuter les statistiques du Japon, et aussi du succès dans son nouveau club, l'Olivenense, en espérant qu'il brillera de tout feu, et que ce papy du foot nous montre l'exemple, et montre l'exemple à tous ces jeunes, qu'à 56 ans, la vie continue. Je vous laisse avec la vidéo de présentation du club d'Olivenense pour la nouvelle recrue Olivier Hatton. Kazumura, bien sûr, Kazumura. Une vidéo d'inspiration nippone à la sauce soja. Et vous avez pu remarquer que dans le mot Olivenense, on retrouve le mot olive. Allez, je vous laisse les amis. Hasta la prochaine. Régalez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!